voilà, je vais vous présenter un nouveau vlog. Bon, celui-ci, ben, on a été en Espagne pendant une petite semaine avec une amie et ma sœur. On avait prévu de dormir dans son berlingo Citroën, c'est ce qu'on a fait, donc je vais vous partager ça. Faut savoir qu'on est parti le week-end où il y avait vigilance orange, c'était aux alentours du 11-14 mars. Le Languedoc du Roussillon était en vigilance orange, ils ont eu des crues, ils ont eu des bourrasques de vent pas possible, un arbre déraciné à Montpellier, bon, vraiment quelque chose. Et nous, on n'avait pas regardé la météo et comme on avait placé nos vacances là, eh ben on partait. Et ce soir-là, sur la route, ben franchement, on est parti à 3h du matin le vendredi dans la nuit et ça s'est bien ressenti parce qu'on a eu vraiment des bourrasques de vent, de la pluie, même qu'à un moment donné, encore heureux que j'avais un camion devant notre voiture, quoi, parce que je savais plus du tout dans quelle voie j'étais sur l'autoroute. C'était super dangereux. Et puis après, on est arrivé en Espagne. On a eu de la pluie toute la semaine. Mais bon, peu importe, on y allait surtout pour voir la famille. Et après notre départ, eh ben, ils ont vraiment vécu des choses qu'ils n'ont pas vues depuis 30 ans. Il y avait une rivière qui est sortie vraiment avec beaucoup de bourrasques d'eau. C'était des choses qu'ils n'avaient pas vues depuis, depuis au moins une trentaine d'années. Bon, ben voilà, nous on a encore choisi la super bonne petite semaine. On s'est pris que de la pluie, mais bon, c'était super sympa quand même.
voilà, ben nous on s'apprête à rejoindre le Berlingo Citroën. Oui, ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est et ça. On s'apprête à passer une nuit, c'est le petit défi qu'on s'est mis. Donc on s'est préparé les couettes, les draps, les coussins. Oui, oui. Ouais, le ouais, petit déjeuner pour petit demain déjeuner, matin. Ouais. Et on espère que tout va bien se dérouler. Ben oui. Ouais. Allez, pourquoi on va voir si on reste entière pour demain. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, voilà, notre lit est prêt. Oui. C'est la visite. Et on va se rendre dans l'endroit où on va passer la nuit, où on a fait le repérage cet après-midi. À tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a nos affaires. Franchement, on est bien. On est bien, il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid, ils annoncent de la pluie pour 3h du matin. Ah oui, la lumière bleue là. C'est qu'on n'avait pas de lampe et on a pris un petit jouet à notre petite nièce. Donc, on n'aime pas dormir dans. Ça nous fait de la lumière. Voilà. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. On sait que notre petit neveu, il voulait nous faire une farce et venir taper à la porte. On verra s'il le fait vraiment ou pas. Mais voilà quoi. Autrement, on est bien. Ouais. Bon, allez, sur ce, ben, nous, on va se mettre au lit. Et le moindre réveil de la nuit, on filmera. Bon, allez, à plus tard. Ou alors à demain matin. Hein, ouais. Parce que aussi, peut-être ça se passe super bien. Pourquoi ça se passerait mal? Pas de raison, à part quelqu'un qui va venir nous faire une farce. C'est tout. Et ciao, ciao. Juste pour que vous entendiez, il pleut. Salut, salut! Mon Dieu, à quoi on ressemble aujourd'hui? Bon, on a passé une superbe nuit, on a survécu. C'était super tranquille, franchement. Tranquille, rien à dire. Ouais, qu'est-ce qu'on pense? Ah oui. Ouais, oui, oui, c'était très bien. La pluie est tombée à 3h du matin comme ils avaient prévu. C'était génial parce que on est enfermé dans le trafic, c'est le Berlingo, le Berlingo. C'est ça. On est trop bien. Je voulais juste vous montrer la vue, même si vous l'avez vue peut-être auparavant. Je sais pas comment je vais faire mon montage, mais vous verrez. Et je vais vous montrer la vue. Donc là, je voulais vous montrer notre petite vue. On est en train de se boire le café et le thé. Je vais juste agrandir un peu parce qu'il y a un château en ruine ici dans ce village de mon grand-père qui a été refait un petit peu. Ils ont essayé de consolider un petit peu tout ça et on le voit là à travers les oliviers. Donc j'agrandis. Voilà. Et en plus, il y a un petit peu de brume au-dessus. Il y a du vent. C'est super. L'ambiance est super. C'est super. On dirait qu'on se croirait un petit peu en Écosse. Non, pas l'Écosse, il n'y a pas d'olivier, mais c'est une petite ambiance brumeuse. Franchement, c'est super joli. Allez, je vous laisse, je me prépare et je redescends à la maison de ma sœur. Au fait, je vous pose quand même la question. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ta première nuit comme ça? Eh bien, ça a été une bonne expérience. J'ai bien aimé. Voilà. Allez, à plus! Un petit déjeuner sans la petite madeleine espagnole, c'est pas un petit déjeuner.
Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu différent de ce que je fais avec le van, mais bon, il faut savoir qu'on est parti en Espagne avec le matelas, qu'on est parti avec les coussins. Ensuite, le soir où on est monté, c'était 3h du matin, on est monté avec nos coussins, nos couettes. Et il faut dire que là-bas, dans ce petit village, c'est un petit village qui est perché sur une petite montagne. Donc du coup, les montées, elles sont comme ça dans le village. À 3h du matin, on se promenait avec les couettes, les coussins. Les gens qui nous ont vus à travers la fenêtre en tirant le rideau, voilà, on s'est tapé des montées comme ça, une autre comme ça, et après ben on est arrivé au Berlingo, on est allé dans notre petit endroit qu'on avait repéré dans la journée, et franchement ça s'est bien passé. Mais par précaution, on avait quand même pris une bombe acrymo, on a quand même pris le numéro de la police de Valencia. Après franchement, ça nous a fait sourire parce que si on devait appeler à l'aide, eh ben d'abord vous appelez à Valencia et après qui c'est qui serait venu nous secourir, surtout qu'on était à 60 km de Valencia. Bon bref, il s'est rien passé, c'était super sympa. Bon, la pluie était là, hein, le mauvais temps était là, mais bon, ça n'a pas empêché. Moi, en tout cas, ça m'a fait une expérience de plus et voilà, ça sera vraiment à refaire. Voilà. Bon, à très bientôt à mes prochains vlogs. Autrement, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, je vous invite à vous abonner. Ça va me soutenir. Parce qu'au début, je disais, oh, c'est juste, je le fais comme ça, mais franchement, on se prend au jeu, j'ai toujours plaisir à faire mes vidéos. Donc, si vous voulez me soutenir, ben, ça me ferait énormément plaisir. Pensez à le liker et à me mettre un petit mot s'il faut aussi, parce que je reprendrai le temps de vous répondre. Allez, à très bientôt !